Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce deuxième Musical Club. La semaine passée, vous avez découvert Pinocchio, un opéra jazz écrit par Christian Emery et composé par Thierry Lalo. Cette semaine, c'est au Dancing Palace que nous vous invitons, une revue musicale conçue et mise en scène par Anne-Marie Gros. Le temps presse, le soir de la première approche et rien n'est encore prêt. Dancing Palace nous plonge au cœur d'une répétition générale des plus chaotiques. Du souffleur au machiniste, de la modiste au bottier, de l'ouvreuse à l'accessoiriste, tout le personnel du théâtre va s'affairer avec passion vers un seul et même objectif, celui de satisfaire le metteur en scène et le public. Dans ce spectacle à sketch, toutes les situations deviennent prétexte à s'amuser et à rendre hommage à de grands interprètes. Jacques Brel, Charles Trenet, Henri Salvador, Gilbert Bécaud et bien d'autres. Ce spectacle a vu le jour une première fois en 2003 à l'occasion des festivités données pour le centenaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Au tout début du XXe siècle, la ville portait encore le nom de Aulnay-les-Bondies et comptait plusieurs petits bals au bord du canal de l'Ourcq ainsi que des théâtres dancing. D'où l'envie, pour le Créa, de fêter ce 100e anniversaire avec une revue musicale. Ça tombe bien. Anne-Marie Gros a toujours eu un faible pour l'esprit des Branquignoles, cette joyeuse troupe de comédiens créée à la fin des années 40, emmenée par Robert Derry et Colette Brosset, et dans laquelle on retrouvait Jacqueline Maillan, Francis Blanche, Louis de Funès, Micheline Dax, Michel Serrault. Dancing Palace est à sa manière un clin d'œil à leur spectacle, notamment à Les Belles Bacchantes, dans lequel un metteur en scène règle les tableaux de sa prochaine revue. Un spectacle qui fit l'objet d'une adaptation cinématographique en 1954. Rejoignons à présent tous les jeunes artistes de ce Dancing Palace version 2011 dans une répétition générale mouvementée. Et juste après la séance, découvrez le témoignage de quelques participants à cette aventure. Bon spectacle! C'est à cette heure-là que vous arrivez, vous. Vous croyez que c'est commode de commencer une répétition générale sur l'orchestre complet? V'là le reste du philharmonique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La prochaine fois, ce sera pris sur votre sol. Compris? Garde champêtre, c'est à vous, on enchaîne. D'inauguration auquel vous allez assister n'est pas un spectacle comme les autres. C'est un spectacle unique que vous n'avez et ne verrez jamais plus, sauf peut-être dans de grandes maisons si c'est un succès. Bah voyons. Ce spectacle a pour particularité d'être joué par une troupe venant d'horizons différents. C'est pourquoi nous avons décidé de l'intituler Rendez-vous Châtelet. Ça s'appelle Dancing Palace, votre truc. Oui. Bon, merci. Sachez que c'est un spectacle historique. Eh ben, on va rire. Caustique et même décapant. Nous vous emmènerons là où vous ne vous attendez pas. Nous irons même, par esprit de contradiction, dans le sens opposé où vous auriez imaginé que l'on aurait pu éventuellement vous emmener, si l'on avait suivi un plan normal, banal. C'est pas un peu long comme prologue? Rideau. Thank you.
Bon, écoutez, ça n'a pas l'air au point, votre truc. Allez nous répéter ça plus loin. Bien, tout le monde à son poste. On va lever le rideau. Qui a donné l'ordre de lever le rideau? Nous, on n'est pas du genre à balancer. Mais enfin, disons qu'il a un bicorne. Maintenant que c'est fait, on enchaîne. Allez, allez, on enchaîne, on enchaîne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ils ont charmé vos oreilles. Ils ont fait danser vos grand-mères. Ils ont été l'emblème de la joie de vivre et de l'amour durable. Voici, mesdames et messieurs, le couple de chanteurs d'opérette que vous attendez tous. J'aime à dire... Ah, attendez, attendez. Il est où le metteur en scène? On a un petit problème. Les chanteurs d'opérette auront un petit peu de retard. Ils avaient un gala à Nogent. Et comme le changement à Châtelet est un peu long, pour peu qu'ils aient pris le tapis roulant à l'envers. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Tout ira très bien. Ce n'est qu'une répétition générale après tout. En attendant nos deux tourtereaux, passons au tableau suivant. La diva de l'Empire, mélodie de Monsieur Éric Satie. Écrite il y a plus de 100 ans. Oui, je dis bien plus de... Attendez. Il y a un gros problème. L'autobus qui devait déposer toute la troupe jusqu'ici a crevé sur l'autoroute. La troupe crevée? Mais non, pas la troupe, l'autobus. La diva n'est donc pas là. Et les danseurs non plus. Aïe. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Tout ira très bien. Que toutes les coiffeuses, maquilleuses, ouvreuses, habilleuses et toutes celles qui finissent en euses dansent un genre de cancan. Le temps qu'on trouve une diva et puis des danseurs. Allons, allons, on enchaîne. Tout ira très bien. Les chanteurs d'opérette. En revanche, on vous a trouvé des danseurs. Machinons, s'il vous plaît. Et tous les autres. Mais on s'est pas dansé, nous. Mais si, mais si. Ils sont un peu rustres, mais vous verrez, ils vont y mettre du cœur. Pas vrai qu'ils vont y mettre du cœur. Et quant à la diva... Ah bah, faut pas chercher plus loin. Elle est là, votre diva. En place pour le tableau de la diva. Sous le grand chapeau, il me wave, mettant l'éclat d'un sourire. Dans les mains charmants et frais de mes.
nous aurions pu commencer le spectacle en évoquant l'entrée de Charles V dans la ville par la porte Saint-Denis. Eh ben, on n'est pas rendu. Vous oubliez que c'est un spectacle historique. Oui, mais ça devait être caustique et même décapant. Alors je peux parler de Guillaume le Breton. Je sens que ça va nous plaire. Laissez-moi au moins vous compter les ménestrels. Écoute, tu sais quoi? Si tu commences aux ménestrels, on va te laisser les clés du théâtre et puis tu fermeras, d'accord? Pourquoi pas Vercingétorix? Sa vie, sa mort, sa naissance. Parlez-moi de Vercingétorix, quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance, et répondez-moi bien, et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança. Vous connaissez bien l'histoire naturelle. Eh bien, dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis citez-moi. Et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont des coléoptères, tels que la langouste et le rat d'égout, le cheval de bois, le poule à belle-mère, qui va tout sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on est même de l'instruction. Policier, papa, policier, papy, police, papillon. Élève, Troufille. Vous connaissez bien la géographie. Eh bien, citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est la cour de Philibert Besson. Bravo mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on est même de l'instruction. Police, papa, police, papy, police, papillon. Élève, contre là. Présente. Vous êtes dernière, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis la dernière, je passe pour une cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moi je serai calée, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne 0. On n'est pas des imbéciles, on est même de l'instruction. Policier, papa, policier, papa. Vous allez rire. Les chanteurs d'opérette ne sont toujours pas arrivés. Oui, oui, on va se renseigner. Téléphonez toujours à la station Châtelet. Ils y sont peut-être encore. Ne vous inquiétez pas. Ça ira très bien. Écoutez, monsieur, c'est bien gentil, mais je vous rappelle que c'est une répétition générale.
Je suis désolé, il y a le transporteur de piano qui veut absolument auditionner. Bonjour, je suis transporteur de piano, mais je sais tout faire. Charleston, swing, twist, foxtrot, cancan, claquette, nu, demi-nu, quart de queue. Tout quoi? Pourquoi que vous êtes dans le transport du lourd et que vous êtes pas artiste? Parce que papa n'a pas voulu et maman non plus. Mon idée ne leur a pas plu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font à ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu et maman non plus. Par contre, j'ai ma femme qui est coiffeuse, mais elle est très polyvalente. Monsieur, 80, 70, 80. Je suis peut-être un peu petite, 1m59, pieds nus, mais avec des talons. Oh là là! Si vous avez besoin, je suis haltérophile, à l'occasion. Je suis dresseuse de chiens savants aussi. D'ailleurs, je peux vous montrer. Chouquette! Mimosa? Mes pékinoises, elles aboient en mesure. Chouquette, Mimosa. Mais où elles sont? Merci, on vous rappellera. Tableau suivant. C'était tout temps pour Bruxelles rêvait. C'était tout temps du cinéma muet. C'était tout temps pour Bruxelles chantait. C'était tout temps pour Bruxelles, Bruxelles. Place de Beaucaire, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Beaucaire, on voyait l'omnibus. Du cinéma muet.
Il y a du court-circuit dans l'air. Les chanteurs d'opérette sont demandés sur scène, s'il vous plaît. Je viens d'appeler la station. Ils sont encore sur le tapis roulant du Châtelet. Ah ! C'est qui avait raison ? Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons cesser nos cachotteries et laisser apparaître sous vos yeux ébahis le symbole. Oui, je dis bien le symbole. Que dis-je ? Le merveilleux symbole. Oui, je dis bien le merveilleux symbole. On n'a rien dit. Enfin, pas encore. Voici le fabuleux moment tant attendu de tous au Music Hall. Bon, pour la cérémonie d'inauguration, je crois qu'on a tout. Une énorme boule avec une danseuse dedans. 10 mètres de tapis rouge brodé or. 5 mètres de ruban doré doublé rouge. 2 mètres 50 de tissu rouge et or pour cacher la boule. Une paire de ciseaux dorés sur un coussin en velours rouge. Bien aiguisés les ciseaux. Plus tranchants qu'un rasoir. Par contre, pour le final, il nous faut une boîte à musique 1880, un ébène avec la manivelle à droite et qui joue Va Petite Anne. Mais non, le final c'est J'aime bien mes moutons. En quel ton? En la bémol, en do dièse majeur ou en ré? On doit savoir exactement ce que nous demande. Les à peu près, les environs, ça finit toujours par des engueulades. Une théière mal choisie peut foutre en l'air une scène d'amour. Alors ne nous laissez pas dans le vague. En quel ton le final? Ré dièse bémol majeur. Parfait, là on peut travailler. Bon, on peut reprendre, oui? Volant! Tu m'écoutes? Bon, tu me le pointes en plein mitard, le projo! Plus ça court! Mais, pas le crâne! C'est la partition qu'il faut éclairer, pas le crâne! Il est presbyte, le chef! Va falloir l'aider un petit peu si tu veux que ça joue juste! Je disais donc! Voici le fabuleux moment tant attendu de tous au Music Hall. Le tableau du grand escalier. Je vous mets ça où? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le grand escalier n'entrait pas par la porte. J'ai dû lui donner un petit coup de main pour... Remarquez-moi ça! C'est vous qui avez livré les bottines de Cancan du 47? Pourquoi? Ça va pas? Mais non, ça va pas! Et le carton des dentelles, c'est pour quand? J'avais demandé des mèches pour les artifices, pas pour les coiffures. C'était des petits pinceaux pour le décor qu'il fallait, pas pour la poudrerie. Et des rouleaux pour les perruques, pas pour les affiches. Non, mais moi, si je note pas, j'oublie tout. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flamme, je suis sûr que je le fais bien. Comme il était très musicien, il choisit sur les joints beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée, sur la veine bleutée, un long baiser sans fin. À chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite aux manches au lard. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. J'avais des bras qui échangent, je me souviens autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix et cheveux comment j'ai l'âge. Elle attend des yeux, des yeux de mal, qui fascinait, qui fascinait. C'est même mal de son visage, de ma bataille qui me fut fatale, de ma bataille qui me fut fatale. Chanteur d'opérette? Ni vous?
Mais c'est pas vrai. Le premier qui dit qu'ils sont encore au Châtelet, je... À défaut de chanteurs d'opérette, laissez-moi vous présenter un phénomène vocal. On dit de moi que j'ai un organe de rêve. Oreille absolue, soprano du gazon. La, la, la. Je diagnostique que vous n'avez pas la grande forme. En effet, mégalomanie galopante. Circulez. Mais c'est ma pianiste. Je suis préposée au tapis rouge. Où est monsieur le maire? C'est pas le moment. Qui est-ce qui joue le rôle du chef de musique? C'était un chef de musique qui nous sembourait l'amour pour une jeune fille magnifique qu'il trouvait belle comme le jour. À la tête de sa fanfare, c'est un soir du mois de mai, il fit un concert bizarre. Thank you.
Test. L'asperge et le poireau du riche. Test. Y'a pas assez de réverb, Dédé. Public. Test. Vous faites accorder vos pianos, accorder vos participes. Test. Qui aime bien ses lunettes, ménage sa monture. Un, deux. Pour rentrer chez vous, une seule adresse. La vôtre. Bonne idée, rentrez chez vous. Cher public. Nous... C'est la 17e qu'il faut pour la scène d'amour. Si. Parce que... Moi, je dis ça, public. Je dis rien. Si vous croyez... Et puis, une d'ailleurs, mal choisie, ça peut... Trois... Bon. Si vous croyez qu'on va vous jouer une scène de rupture sous prétexte qu'on vient de vous chanter, tu me dis oui? Alors là, vous n'y êtes pas. Le garde champêtre vous avait prévenu qu'on irait dans le sens opposé où vous auriez imaginé que l'on aurait pu vous emmener si on avait suivi un plan normal, banal. Eh bien voilà, pour la peine, une chanson qui n'a rien à voir. Tiens, voilà du boudin. Ah ben non, pas ça. T'as toujours été excessive comme fille. Prenons, par exemple, Joli môme. Ça, c'est osé. Ça, c'est contre-révolutionnaire comme conception du spectacle vivant. T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui m'appelle, jolie maman. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie maman. T'as le rimel qui fout le camp, c'est des gels, des amants. La prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'heure et du temps, t'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil, t'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de foufrou, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme. Fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps, t'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie, t'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'es qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. Au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la trouver, joli môme. T'es toute nue sous ton pôle, y'a la rue qui est ma boue.
on est les ouvreuses. On est les ouvreurs. Le groupe des danseuses organise une grève à cause des salaires. Elles trouvent juste qu'ils sont trop bas. Allez, allez, du ballet. Bon, en attendant, moi, je vais aller négocier les salaires. Monsieur le maire. Et alors? Vous avez eu l'amabilité de m'adjoindre une souffleuse en cas de trou de mémoire. Et alors? Et alors? C'est non sans émotion et sans joie. C'est non sans émotion et sans joie. Monsieur le chef des citoyens d'Aulnay-sous-Bois. Monsieur le chef des citoyens d'Aulnay-sous-Bois. Vous m'avez collé une souffleuse qui chuchote quand elle a le trac. Mais c'est pas possible. Et c'est à cause de mon enfance. Mes parents... Oui, bon, ça va, ça va. Regardez-moi ça, c'est la foire d'empoigne chez les danseuses. Elles ont tout déchiré et restent enfermées dans leur loge. Parce que des petits malins leur ont piqué leurs perruques. Que celui qui a piqué les perruques des danseuses se dénonce. Mince alors. Moi, c'est l'accessoiriste qui m'a piqué mes pinceaux de maquillage. Il veut repeindre le décor avec. C'est un scandale. Ça ne se passera pas comme ça. Regarde-moi ça. On n'a reçu que des bottines de cancan du 47. Ça n'ira pas. Non, ça n'ira pas. Mais regardez-moi ça. Je n'ai ni ruban, ni dentelle, ni fil, ni aiguille. Comment voulez-vous que je finisse la capeline de la diva? J'ai travaillé dans les plus grands théâtres du monde, mais ça, on ne l'a encore jamais fait. Calmez-vous, maître. Calmez-vous, maître. Calmez-vous, maître. Maître, calmez-vous. Premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seule mais je t'aperçois. De s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt temps. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt temps, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de passion fait vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps,
Une valse à mille temps, frosseuse amant, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, un, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, à chaque cœur au fond d'un pareil que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mi-temps, une valse à mi-temps, une valse à mi-temps, des patients des vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans. Une valse à mi-temps, une valse à mi-temps, une valse à mi-temps, face aux amants, face aux temps, pas le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous passons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour, il y a moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Générale. Je suis désolé, il y a les pompiers de service qui veulent absolument se présenter. Nous vous avons préparé un petit poème de notre cru. Pompier n'a beau pas peau pas plume, pompier n'a beau pas peau pas poil. Pompier n'a beau pas peau pas plume, pompier n'a beau pas peau pas poil. Pas peau pas plume, pas peau pas poil. Pompier n'a beau pas peau pas plume, beau pas peau pas poil. Pas mal, hein? En qualité de pompier de service, je me permets de vous rappeler que les sorties de secours sont situées à votre droite et à votre gauche. Qu'en cas de turbulence, il est recommandé de rattacher votre ceinture de sécurité. Il est interdit de fumer dans la salle. Et que l'allée centrale vous permet l'accès le plus rapide au bar. À votre service. Et à votre bon cœur. On vend les calendriers. Tableau champêtre. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des enseignements et des
public. On m'appelle ? C'est maintenant, c'est à moi. Parce que le tapis rouge, c'est moi. Puisqu'on vous dit que c'est pas le moment. Oh non, monsieur, non, ça, non, n'insistez pas. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Cher public. Vous m'avez demandé de réparer cette antiquité. Là, avec la meilleure volonté du monde, je vois pas, hein. Elle a éclairé Maurice Chevalier, c'est début votre gamelle. C'est pas possible. Cher public. Mais non. Bon, nous allons maintenant vous interpréter une chanson de Gilbert Bécaud, aimée de tous, Quand tu danses. À votre avis, est-ce qu'on va danser? Oui, non. Non, bien sûr. Eh bien si, justement. Par simple esprit de contradiction. On va vous chanter une chanson en rapport avec le sujet. Chanson que vous n'attendiez pas, puisque vous pensiez que nous allions aller dans le sens opposé où vous auriez imaginé. C'est là qu'on commence à être contre-révolutionnaire, étant dans la contradiction de la contradiction. C'est bien beau, tout ça. Mais on les met ou pas, ces chaussures de danse? Non, 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 surtout pas. Eh ben, ça tombe bien. Elles sont encore dans la malle sur le tapis roulant du Châtelet. Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens mon cœur qui bat. Mon rythme ne t'est pas. Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens la vie qui va, qui va. Et je pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse, danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier. Quoi, quoi? J'ai besoin de te regarder danser. Danse, danse, ne fais pas me griser. Je ne sens plus autre chose en moi qu'un immense pense de joie brûlant mon corps de haut en bas. Dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit et me trouble les yeux. Et je ne vois plus que tes jambes nues. Je sens la vie qui va, et je pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse, danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. L'assemblée a dévoré le bourra, quoi, quoi, et l'alcool commence à faire du dégât. L'alcool, l'alcool coule à flot. L'alcool, l'alcool coule à flot. Sous prétexte qu'elles ont un micro et que moi je n'ai que la voix de mon tambour,
C'est le pot de fer contre le pot de terre. Le propriétaire de la voiture immatriculée Schrogneugneux 93 garée devant le théâtre peut toujours prendre son mouchoir et pleurer. Car la bande à Bono vient de lui emprunter pour une durée indéterminée. Alors voilà. Je viens tenir des propos historiques et ces dames... Quoi ces dames? Charles V, c'est hors sujet, monsieur. Mais faut le faire voyager, votre public. Je sais pas, moi... Au moins jusqu'aux Batignolles. Les Batignolles? On va passer le périphérique. Non, ça me fait peur. Babylone 21-29, ici Edwige. Vous connaissez? Monsieur Vega n'est pas là. Alors voulez-vous dire à ce petit âme que si l'envie lui prenait de parodier Feuillère dans l'aigle à deux têtes, Jeannot lui en ferait deux? Non, pas des aigles, pauvres perroquets, des têtes, non pas grosses, énormes. Babylone 21-29, ici Jean-Richard. Je voudrais parler avec Vega, pas là. Alors voulez donc dire à ce petit minable que s'il fait rien qu'à vouloir toujours à me ridiculiser, je te vais le donner à bouffer à million et crac, toc et toc et mordé, n'en feront qu'une bouffée, zim, boum.
Le fond va toujours. Bon appétit. Mauriac, est-ce que je pourrais parler à mademoiselle Brigitte? Ben ici, c'est le grand Georges, justement, moi, je la cherche, Brigitte. Eh, hey, y a pas plus de Brigitte que de... Elle est dans le 10 de Norman Maine, hey. Allô, ici Pierre Frenet. Est-ce que je pourrais parler à madame? À madame? Yvonne Printemps. Oh, ben, vous savez, hein, moi, il n'y a pas de printemps de l'autre bavie. Alors, je crois pas au calendrier, moi, hein, vous savez. Hein. Allô, Babylone 21-29, ici Brigitte. Je voudrais 2 yaourts, 2 citrons. Est-ce que vous pouvez me charrier 2 caisses d'eau minérale? Oh, je fais erreur. Zut, j'en ai marre. Babylone 21-29, ici Jacqueline Maillot. Vegan n'est pas là? Oh, comme c'est fâcheux. Alors, voulez-vous dire à ce petit monstre que s'il ne m'imite pas dans le disque, il se tapera un bide, il partira sur le ventre, une bonne claque et paf. Oui, oui, c'est tout. Non, rajoutez bon baiser, si. Ça peut toujours faire plaisir. Il est tellement sensible, petit bouchon. Babylone 21-29, ici Claude Vega. Est-ce que vous avez des commissions pour moi? Oui, on en a une commission pour vous. Votre téléphone, vous pouvez vous le prendre ici. Je vous ai compris. On sortira pas pour autant. On ne laissait aucun.
c'est. Il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dans le sang. Sur la chaise, il fit trois petits sauts. Sing, 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 sing. Ta chanson, thank you.
jeu de mots, vous avez un ticket. Bah oui, j'ai le béguin, que voulez-vous? Puis, on peut dire que c'en est un vrai. Un vrai quoi? Un vrai mâle. C'est pas une demi-portion, une galette, un avorton. Lui, c'est un mâle. J'aime son nez tout écrasé, sa mâchoire en or plombé. Dans son tympan, il peut me prendre mes sous, il peut me filer des coups. Sans qu'elle. Qualité de personnalité du bourg. J'aime à dire garde champêtre. Qu'il est beau, mon costaud. Cette fois, je suis sûre que la machine pour hisser les chanteurs dans les airs est tout à fait au point. Ça y est, bonne nouvelle. Les chanteurs d'opérette sont calmement posés dans leur loge. Parfait, 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 parfait. Parfait, 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 parfait. C'est le grand moment. Allez en salle. Je suis en charge de vous faire répéter une des chansons dont le texte figure dans le programme, tout juste sorti de l'imprimerie. Et que Monsieur le maire apprécie particulièrement. Les grands boulevards. Polo, allume les projos côté public. Et mets le paquet si tu veux que ça chante juste. Ils sont tous presbytes. De ce musical. Vous réservez une surprise de taille. Accrochez le ruban doré, ajustez le tapis rouge. Préparez les artifices. Appelez les chanteurs d'opérette qu'on les accroche pour le décollage. Approchez les ciseaux sur le coussin rouge. Approchez le coussin rouge dans les mains de la danseuse. Approchez la danseuse dans la boule. Approchez la boule sur le chariot. Bon sabbat. Approchez le chariot.
doucement, la danseuse est déjà dedans. Ça va, mademoiselle? Doucement, je vous dis, la danseuse est déjà dedans. Attention, attention à vos places. On envoie l'orchestre. Où est passée la doublure de Monsieur le maire? Nous, c'était notre petite idée. Mais ça devient une idée fixe. Pour aujourd'hui, c'est quoi la doublure? Monsieur le maire précède le chariot. Le chariot suit. Mesdames et messieurs, je vous présente l'étoile du musical. Charmante, 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 charmante. Elle a de très beaux yeux, sa taille est fort bien prise. Voyez comme elle est mise, il ne lui manque rien. Elle a de très beaux yeux, sa taille est fort bien prise. Voyez comme elle est mise, vraiment elle est très bien. Quelle est adorable. Que les chanteurs attaquent, paf, vous balancez les feux d'artifice. À propos, les chanteurs, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, tout ira très bien. Vous, la bergère. Moi? Vous avez toujours rêvé de chanter? Eh bien, c'est le moment. Vous! Vous savez que dans l'Antiquité, on tuait les messagers qui portaient de mauvaises nouvelles. Accrochez-le! Et que vous le vouliez ou pas, on va la répéter cette scène! En route pour ma petite âne! C'est l'heure des tintons, le final! Les poules, les pintades, les ânes et les dindons, c'est pareil! Allez, faites décoller la basse-cour! Il a raison, c'est plus un spectacle historique! C'est un bestiaire! Yeah.
quand vous serez prêts. Et que les danseuses auront libéré les chanteurs d'opérette. Quoi? Oui, quand les chanteurs ont quitté le Châtelet, ils se sont rués ici, mais les danseuses les ont pris en otage dans leur loge pour obtenir une augmentation de salaire. Il y en a une qui a mangé les clés de la loge. Je suppose que l'arbre de l'inauguration n'a pas été livré non plus au Châtelet. La chorale? Non plus, au Châtelet. Les tigres du Bengale? La dresseuse d'ours? Ou les plus savantes? Les clowns? Non plus. Bon! On fait les saluts? Parce que faut que je fasse ma caisse, moi! On ferme! Un rien me fait chanter, un rien me fait danser, un rien me fait trouver belle la vie. Un rien me fait plaisir, un rêve, un petit désir, un rien me fait sourire, même ravi. Quand le ciel est joyeux, je sens le cœur tout bleu, et quand il
avions, Didier et moi, une réelle joie à travailler ensemble. En fait, cette rencontre a été forte dans le sens où on a tout de suite senti qu'on était très complémentaires et il y avait une espèce d'émulation à échanger nos idées, nos pratiques, à trouver de nouvelles pistes et ça c'était très très stimulant. Par ailleurs, on avait aussi comme intérêt commun ce goût pour la chanson, la forme courte qui est de raconter une histoire de façon très synthétique. On attend d'une chanson qu'elle est une exposition rondement menée, un développement malin et puis une chute surprenante, inattendue. Et ça nous plaisait bien. De plus, on avait envie de rêver sur le monde du musical, pour lequel d'ailleurs j'ai toujours eu une certaine tendresse et aussi que j'ai toujours trouvé le musical extrêmement intéressant dans sa forme puisqu'il permettait à toutes les fantaisies de trouver leur place, sans censure. Tout est possible en fait au musical. Par ailleurs, on avait l'habitude de travailler ce qu'on appelait des petites formes. Alors la petite forme, à partir de l'équipe du Créa, de la troupe du Créa, on choisit un répertoire particulier, une idée globale, trois accessoires et on se lance. Et ça, c'est une forme qui pour moi avait une légèreté, une souplesse, qui favorisait complètement la créativité et... Ouais, c'est ça. La créativité pédagogique et artistique. J'ai pas été surprise parce que j'avais vu Boom quelques années auparavant et ça se basait aussi sur plusieurs chansons qui n'avaient a priori rien à voir entre elles et au final qui formaient un spectacle tout à fait cohérent. Donc j'ai pas été surprise, mais par contre j'ai trouvé ça super intéressant dans Dancing Palace que le thème soit musical et du coup on puisse y amener n'importe quelle chanson parce qu'on n'a pas besoin de prétexte pour tel ou tel type de chanson, on peut parler d'un truc complètement loufoque, c'est pas grave, ça devait jouer sur scène, donc tout est possible en fait, et c'est ça qui est trop... c'est libre et tout était possible. Alors personnellement, j'avais pas été surpris par le fait de construire un spectacle avec des chansons différentes, d'artistes différents, parce que tout simplement, j'en avais déjà fait d'autres avant, comme Boom, c'était mon premier spectacle d'ailleurs au cœur de scène. J'avais fait aussi Les 20 ans avec Marioline Serin. Donc là, c'était pareil, c'était plein de chansons différentes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et donc du coup, voilà, j'avais pas été surpris. Après, c'était vachement intéressant de travailler sur des projets comme ça, parce que on voyait comment le metteur en scène devait créer un lien entre toutes les chansons, en faisant des scènes entre chaque chanson du coup, et il fallait trouver un lien, et c'était super intéressant de voir plein d'univers différents, de chansons différentes, d'artistes différents qui étaient plus célèbres les uns que les autres. Donc ça, c'était vraiment une bonne expérience, ouais. Oui, c'est amusant parce que le hasard a fait que ce poste à trois têtes s'est souvent présenté à moi par la suite. Mais le plus beau dans cette aventure de Dancing Palace, c'est qu'au départ, je devais uniquement chorégraphier les chansons, un peu comme dans une revue. Et en fait, par le biais du travail de préparation à la scène, des exercices corporels, des jeux théâtraux, les choses ont pris une toute autre tournure. Ceux qui me connaissent savent l'importance qu'a pour moi l'ancrage. L'ancrage, c'est la façon qu'on a tous d'abandonner notre propre poids dans le sol par la détente. N'est-ce pas ? Ce qui nous donne un bel aplomb, une bonne assise qui est indispensable quoi qu'on fasse. À ça, j'y associe un travail sur la pesanteur, la légèreté, histoire d'aller taquiner le ciel, les anges et tout ça. Et à cette belle verticalité, on y adjoint un autre paramètre qui lui va apporter la troisième dimension, c'est-à-dire l'adresse à quelqu'un au loin par un regard, une attention, en diagonale par exemple à un personnage sur le plateau
au lointain. Et toujours dans cette idée de jeu que j'apportais chaque semaine dans nos séances de répétition, j'avais inventé un jeu avec juste trois petits mots qu'on devait lancer comme une flèche, à partir de cet ancrage, n'est-ce pas ? Et toutes les phrases fusaient comme ça, à travers le plateau, soit vers le lointain, soit dans les diagonales. Et ça créait un tissu, en fait, très vivant, et ça donnait une stabilité à au plateau, à la troupe sur ce plateau. Et puis petit à petit, on s'est pris au jeu. Ces petites phrases de trois mots sont devenues finalement des paragraphes, après les paragraphes sont devenus des pages, et puis les pages sont devenues des scènes. À partir de ces scènes, les personnages ont commencé à vivre qui une ouvreuse, qui un bottier, qui une perruquière, qui un ouvreur, et chacun avait son profil. Et c'est sur ce tissu tangible de phrases projetées que le spectacle, finalement, au lieu d'être une revue de chansons françaises, est devenu un spectacle entier, avec des scènes entre les chansons, des personnages, une dramaturgie, etc. Et ça, c'est grâce, je pense, à la confiance qu'on avait tous mutuellement dans l'équipe que ça a pu se passer comme ça, et de ne pas tout savoir au départ des répétitions, et de profiter de chaque chose qui apparaît au détour de chaque répétition, et de s'en emparer pour que cela devienne une pierre de plus pour le spectacle, ça, pour moi, c'est une chance inouïe. Alors non, je ne connaissais pas particulièrement toutes les chansons qu'on a chantées dans le Dancing Palace. J'en avais déjà entendu une ou deux ou trois, ça c'est sûr, mais je les connaissais pas vraiment, quoi. C'est pas forcément ce qu'on écoutait avec ma famille chez moi, c'était pas vraiment notre répertoire, c'était pas le mien non plus. Mais voilà, c'est ce que m'a apporté aussi le Créa, c'est que j'ai pu découvrir plein d'artistes, plein de chansons, qu'aujourd'hui des chansons comme Charles Trenet, Aznavour ou Jacques Brel, maintenant je les connais par cœur, alors que si j'avais pas été au Créa, c'est sûr que voilà, c'est pas des chansons que j'aurais écoutées de moi-même en tout cas. Donc là, ça m'a apporté une bonne culture générale, une bonne culture musicale aussi. Donc ça, c'est grâce au Créa, c'est indéniable. Alors oui, j'ai eu la chance d'avoir baigné dans ces musiques-là depuis mon enfance, entre autres. Donc oui, je connaissais déjà ces noms-là. Après, c'est vrai que je connaissais pas toutes leurs musiques, et j'en ai découvertes certaines dans Dancing Palace, ouais. Donc ça, c'est vraiment très enrichissant pour tout le monde, et des personnes qui... Je pense qu'il y avait d'autres personnes qui ne connaissaient absolument pas la musique française, donc c'était super bien pour eux. Ben, le nom de ces artistes, oui. Leurs chansons, ben non, je les écoutais pas plus que ça. Et c'est là où le Créa a une très grosse importance pour moi, et puis pour la plupart des personnes qui étaient avec moi à ce moment-là, et puis pour toutes les années que j'ai pu passer au Créa aussi, c'est qu'elle te donne envie d'écouter des artistes que tu n'écouterais pas forcément en dehors de cette structure. Et c'est là où c'est super important, parce que tu acquiers une certaine curiosité et puis le plaisir aussi d'apprendre, de connaître de nouveaux artistes. Donc ouais, c'est super cool. C'est Didier qui choisit tout le répertoire, et je dois vous avouer, c'est Noël pour moi. Au moment où le directeur musical arrive avec toute la liste des chansons, c'est... Voilà, c'est prometteur, c'est aller par quoi on commence, et on s'y met, c'est formidable. Et puis, savoir qu'on allait avoir Bruno Perbost aux arrangements, c'est... Un bon arrangeur, c'est comme un bon traducteur, en fait. Il respecte l'œuvre originale, mais il apporte une touche unique, une couleur particulière. Et dans un spectacle musical, avoir un bon arrangeur, c'est un bel atout. Alors, ça dépend des spectacles, mais en l'occurrence, c'est à peu près la même chose à chaque fois, c'est vrai, ça se base sur des impros qu'on va faire, on va essayer différents rôles, et aussi sur nos caractères, nos dynamiques, qu'est-ce qui nous correspond en fait. Et vu que Didier et Anne-Marie nous connaissaient déjà ou ont appris à nous connaître au fur et à mesure de l'année, bah, ils ont été capables d'attribuer des rôles qui correspondaient à peu près aux dynamiques de chacun et en fonction des impros qui avaient été faites.
moi, c'est plus un jeu, un défi. L'enjeu, c'est de trouver le geste qui n'entravera en rien l'émission de la voix, mais au contraire, la facilitera. Trouver une gestuelle qui économise l'engagement corporel, donc le souffle, et qui permettra à la voix de s'épanouir pleinement. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc, ce n'est pas une contrainte du tout. C'est passionnant en même temps. Hein. Et puis, du côté du spectateur, lui, il doit recevoir ce geste comme venant ponctuer, sans charger, sans pléonasmer, et au contraire clarifier le message du texte parlé ou chanté. Une petite anecdote de Dancing Palace. Donc c'était en plein spectacle, final, et je devais, en tant que régisseuse, faire éclater les confettis au moment comme ça où ça partait en mode finale, etc. Et un peu avant ça, je devais un peu faire celle qui arrive pas, quoi, pour l'aspect comique. Le problème, c'est que je n'y arrivais vraiment pas, cette fois-ci, à ouvrir les confettis à pression. Et en fait, ça s'est déclenché à un moment où je m'attendais pas trop, et je dirigeais le bâton en direction d'Afsia. Et elle s'est tout pris dans le visage. Normalement, ça devait partir en l'air. Elle s'est tout pris dans le visage. Et du coup, c'était assez drôle parce que c'était évidemment dehors de monde. Mais ça s'est pas vu, c'est passé. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais elle, elle l'a bien vu. Alors, pendant le stage de création d'été pour Dancing Palace, du coup, on était à Salignac, en Dordogne, dans le Périgord. Et il se trouve, c'est assez marrant, c'est une coïncidence, qu'il y a un château juste à côté de notre lieu où on était, qui s'appelle le château des Milandes, il me semble, où il y avait c'est une sorte de musée d'exposition sur la chanteuse Joséphine Baker. Donc Joséphine Baker qui a interprété J'ai deux amours, qu'on interprète aussi du coup dans le spectacle. Donc voilà, c'est un petit souvenir qui m'a marqué, parce qu'en fait on a été faire cette visite pendant un de nos jours de repos, pendant le stage de création. Et on a été voir du coup cette exposition, cette exposition sur l'artiste. Et du coup, voilà, c'était marrant de faire le spectacle, notamment sur cette chanson, et de voir en parallèle un peu son histoire à elle. Donc ça, c'était un beau souvenir. En plus, c'était un bon moment avec tout le cœur de scène, quoi. On était tous ensemble, c'était marrant. Voilà, c'était pendant notre jour de repos, il faisait beau. Voilà, c'est une petite anecdote sur le stage de création. Parce que l'art, c'est la vie. Non, je pourrais pas vivre sans activité artistique. Je pense que ce n'est vraiment pas possible pour moi. Et je pense pour la plupart des gens, mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Donc quand j'ai arrêté le créa, je me suis très vite rendu compte que ça me manquait. Donc j'ai continué un peu la danse, parce que j'avais pas le temps de faire plus. Mais déjà, c'était ça. Et aussi les vidéos de chant, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je voulais en faire mon métier. Donc là, je suis un peu sur cette voie-là. Et on verra où ça me mène, mais j'aimerais en faire mon métier, quoi. Et si ça marche pas pour gagner ma vie, j'en ferai toujours à côté, activité, chant, danse, théâtre. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune activité artistique. J'en ai plus depuis que j'ai arrêté le créa, tout simplement. Donc mon dernier spectacle, c'était Les Indiens sont à l'Ouest. Mais en tout cas, ça m'a apporté beaucoup beaucoup de choses, le créa, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, dans mon métier, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Pourquoi pas reprendre une activité artistique dans le futur, hein, ça on ne sait pas. Mais je pense que ça sera difficile de trouver quelque chose qui me plaira autant que le créa, et quelque chose qui m'apportera autant que le créa m'a apporté, au fait. Donc mais pourquoi pas. Tadam. Oui, dans la mesure où un artiste pédagogue se remet souvent, sinon toujours en question, j'ai pour ma part, avec la maturité, inclus beaucoup plus la notion de temps dans ma pédagogie. Si un enfant a par exemple besoin de 3 mois, 6 mois ou plus pour qu'il ressente profondément et qu'il intériorise la pulsation, eh bien,
c'est le temps qu'il faut. On laisse bien à la pomme le temps qu'il lui faut pour qu'elle se décroche de la branche. Alors. J'aimerais t'en voir, Syracuse, l'île de Paquet-Curouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Quand le jour se lève sur Sing Sing et que c'est le dimanche qu'on attend, on va voir l'orchestre de Sing Sing. Il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dansant. Sur la chaise, il fit trois petits sauts. Oh, Sing Sing, oh, Sing Sing, ta chanson chauffe un peu trop. Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Ta-d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 a